J'accueille Alain Manval. Vous avez le rythme ? Est-ce que vous sentez le rythme ? We got the beat ! Alors là, ça s'adresse à vous tous, vous qui regardez Megahertz. Je suis sûr que vous êtes tous jeunes et hip, young and hip. Alors vous faites comme moi, vous vous installez confortablement chez vous. On a parlé à retrouver Alain Manval. Bonjour, 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 salam alaikum. Bienvenue entrer dans la caravane de Messaoud et d'Alex. Welcome aboard. C'est chez des amis dans un théâtre équestre qu'il est hébergé. Moi, j'ai plus de maison nulle part, donc quand je viens à Paris, je squatte à droite, à gauche chez des amis que j'aime beaucoup. Là, c'est un vrai manouche, quoi. C'est un vrai nomade. En plus, moi, je suis d'origine touareg, qui fait que de la tente à la caravane, il n'y a qu'un pas, quoi. Et lui, c'est pareil. Il a toujours aimé toujours un petit peu des endroits un petit peu déjantés, de la montagne, des balades en montagne à cheval jusqu'à la caravane ici à Paris. Alain Manval est libre. Il a regagné la France en 2008 après avoir passé plus de 10 ans au Maroc où il a participé à la création d'une chaîne de télévision. Allez, Salam Aroya, Baraklaoufik, Salama, Shukran Bzef. Aujourd'hui, le dandy rock, un télo et colo déjanté, comme l'ont appelé quelques journaux de son époque, est à Paris. Il enregistre un album, son premier. Respirez fort, 7 étages sans ascenseur. Vous allez arriver dans le plus beau studio d'enregistrement du monde. Fidèle à l'esprit punk du do-it-yourself, après des années de préparation, il enregistre chez un ami, loin de son image de fashion victime habillée par Jean-Paul Gaultier, et loin, très loin, des grands studios professionnels. Tout se fait par amour, par amitié. On n'a pas une thune, mais c'est le fun. Et au moins, on a le bébé qu'on veut. Sans directeur artistique, sans majeure compagnie pour nous faire chier, sans censure. C'est le bonheur. Tu nous mets l'intro qu'on a enregistré ? Salut les zombies. Salut les zombies. Sortez de l'ombre. Sortez de l'ombre. Réveillez-vous. Réveillez-vous. Le futur est à nous. Voilà, fait maison, à un rythme un peu... Il y a le son. Voilà. Il y a le son et puis le bon esprit, tout va bien. Mais s'il n'avait pas insisté, il partait à la poubelle, cet album. Je ne voulais plus en entendre parler. Allez, je vais me laver. Donc, tu as compris le truc, je dors dans une caravane, je viens me laver chez mon musicos préféré. Ce soir, je dors chez... Je vous dirai pas qui. C'est comme ça. Dandy un jour, dandy toujours. Il est où ce taxi ? Let's go to le théâtre de l'Odéon pour une super expo de photos avec des vrais amis. Ce que j'aime beaucoup, c'est son côté découvreur de talent. Je dirais que c'est un Pygmalion. En fait, je suis un fan d'Alain Manval depuis que je suis ado, en fait. Il faisait ses émissions avec Nina Hagen, etc. J'étais un fou furieux. J'étais tout le temps devant la télé. Et aujourd'hui, Alain profite de l'occasion pour annoncer une grande nouvelle. À la demande de Jérôme Clément, j'ai été nommé chevalier des arts et des lettres. Alors c'est peut-être un truc à la con, mais moi ça me touche beaucoup, surtout que ce soit le président d'Arte qui l'ait demandé. Et c'est lui qui va me remettre cette distinction. Je vais faire honorifier. Nommé chevalier des arts et des lettres par l'ancien président d'Arte, chaîne pour laquelle il avait travaillé, Manval en a-t-il fini avec ses années rebelles ? Nous allons chez Radio Nova, parce que je suis en vrai manque de radio et j'aimerais bien... On va voir. Donc, let's go to Nova. Ça se passe pas. Donc, je suis très cool, mais je suis vraiment heureux d'aller là-bas chez Nova. La radio, le premier amour de Manval. Top, c'est fini pour vous, allez rentrer. S'il reprend l'antenne, souhaitons qu'elle soit à son image, libre. Et maintenant, la lumière se rallume sur Alain Manval.
Alain Manval, bonsoir, installez-vous. Bonjour, bonsoir. Bienvenue dans Tout le monde en a parlé, vous êtes magnifique. Alors Alain, vous êtes né le 23 janvier 1953 à Saint-Étienne. Oui. Vous avez fait vos études au lycée Mimard. Oui. Et au lycée Foriel. Oui. Vous étiez un enfant dissipé, je suis sûr. C'était pas mon truc. Ouais, ouais. Alors l'été, pour gagner un petit peu d'argent de poche, vous bossiez à la manufacture de Saint-Étienne. Oui, Manufrance. Et vous fabriquiez des cannes à pêche. Non, je pliais les cannes à pêche. Parce que quand on pliait les cannes à pêche, on gagnait plus de sous, que ça rapportait plus qu'on était payé à la tâche. Alors votre premier rêve, c'est de devenir comédien. Oui. Passion développée auprès de Jean Dasté, le oui, fondateur grand, de, grand monsieur du théâtre. Fondateur de la Comédie de Saint-Étienne. D'abord, il me fait énormément travailler. Mmh. On travaille tous les deux le masque. Mmh. Et je lui dois ma voix, qui ouais. est un peu mon fonds de commerce ouais. depuis quelques décennies. Parce ouais. qu'il m'a permis de placer ma voix, parce que j'étais très efféminé. Une voix fluette. Oui, très fluette. Et il m'a dit, il faut gommer ça. Et puis surtout, il m'a dit, casse-toi, il faut voilà. que tu ailles à la capitale. Voilà, donc il vous conseille de monter à Paris. Oui. Vous aviez quoi, 18 ans à l'époque, non? Oh, même pas, 17. Ouais, ouais. Et là, pendant 2 ans, vous allez faire l'acteur, notamment sur les planches du Théâtre Mouffetard. Oui, vous savez ça? Oui, je sais tout. Vous jouiez quoi? Aristophane, Vox Populi, ah. très drôle. Et c'est là que se présente une autre opportunité sur laquelle vous sautez, devenir attaché de presse d'un groupe punk new-yorkais émigré à Londres, les Heartbreakers, les fameux Heartbreakers. Oui, Johnny Fenders. Vous y allez tout de suite, là? Ben, j'y vais tout de suite. En plus, c'était avec l'argent de Chris Timm, qui venait de se faire beaucoup de flouze en produisant Tommy. Mmh. Donc, j'avais un bureau à Carnaby Street. Ouais. Et donc là, immersion totale dans la punkitude, parce que mon ami de l'époque était le cinéaste Derek Jerman. Ah oui. Donc, habiter chez Derek, ouais. être sur la préparation du premier film punk au monde qui s'appelle Jubilé. Le rêve pour un petit garçon de Saint-Étienne. Oui, oui, ouais. absolument. Ouais. Alors, pourquoi vous avez quitté Londres, en fait? Je pense que mes histoires de cul, mes histoires d'amour m'ont fait toujours bouger. Et j'ai rencontré quelqu'un qui m'a enlevé de Londres, m'a fait venir en Italie. Après, je me suis retrouvé par une autre histoire d'amour à Istanbul. De retour à Paris, vous êtes l'attaché de presse d'un certain nombre de groupes français. Téléphone, ouais. Star Shooter, Higelin, ouais. En anglo-saxon, Lou Reed, Iggy Pop, Pink Floyd. Ah ouais. Je m'étais occupé de la sortie d'Animals. Il y en a tellement, tu sais. Je me suis occupé de beaucoup d'artistes. Mmh. Mais enfin, quand on est attaché de presse, on est leur femme de ménage. Hein. Oui. Je veux dire, ça n'a rien de glorifique. Ouais. On ne fait pas partie de l'artistique. Ouais. On est là pour leur trouver la gonzesse qu'ils veulent, la coke qu'ils veulent. Il ne faut pas se leurrer. Et hein. vous arriviez de faire ça? Bah, ça fait partie du job. Ah oui. J'ai des beaux souvenirs avec Iggy Pop pour faire Paris, pour lui trouver la coke, ça c'est ouais. sûr. Oui. Ouais. Alors là, vous êtes de toutes les aventures des radios libres ensuite. Cité Future, Bellevue, Carbone 14, oui, Gilda. J'adorais Super Nana ouais. à Carbone 14, oui. Ouais. Bonne époque, ça. Oui, Catherine qui est partie aussi. Ouais. Et vous finissez par entrer à Europe 1. Vous vous animez une émission qui s'appelle Pogo. Oui. P-O, petites ondes, G-O, grandes ondes. Donc c'est un titre super bien trouvé. Et le Pogo était la danse des punks, puisqu'il fallait sauter en l'air et cracher sur... cracher sur ses potes. Alors, c'est une émission délirante, absolument incroyable, quoi, des choix musicaux fous. Comme je revenais de cette immersion à Londres, ouais. j'attendais pas que des maisons de disques amènent... Moi, j'achetais. Ouais. Et puis, j'avais des espions partout. Ouais. Donc, c'était l'époque du vinyle. Ouais. Moi, je fais partie des gens qui regrettent le vinyle. Je regrette les pochettes. Ouais. Je regrette tout ce qui se passait autour. Et donc, j'achetais mes disques. Donc, je passais ce que je voulais. Vous êtes affolé, les gens qui écoutaient Europe 1, quand même, non? Non. Les auditeurs, c'était formidable. Je sais qu'il y avait un public de mômes qui écoutait ça sous les oreillers dans leur pension. Et surtout, je ne me laissais pas avoir par le directeur de la musique d'Europe 1. Je faisais ce que je voulais. Ouais. Alors, en mars 1978, vous passez un week-end dans l'île de Bréa. Absolument. Et vous vous retrouvez au cœur de la marée noire oui. causée par le naufrage de l'Amoco Cadiz. Oui. Et là, vous rentrez à Paris et vous invitez les auditeurs d'Europe 1 à boycotter La Shell, qui était la société qui avait affrété l'Amoco Cadiz. Mais malheureusement, La Shell est un très gros annonceur de la station. Et vous êtes mis à pied oui. et interdit d'antenne pendant 3 ans. Le directeur des programmes de l'époque, qui est décédé, René Klettmann, m'a convoqué dans son bureau. Il m'a dit, Alain, il y a 3 choses qu'il ne faut pas faire en radio. Mmh. C'est pousser les gens au suicide, à l'homicide et au boycott. Ah oui. Donc c'est vrai, j'ai été interdit pendant 3 ans. Oui. Vous regrettez ça maintenant? Non, parce que je serai à l'antenne aujourd'hui, je dirai la même chose de Bébé. Mmh. Mmh. Ouais. Ouais.
Mais on ne me permet pas d'être à l'antenne. Peut-être à cause de ça. Non. Enfin, à toute chose, malheur est bon, puisque vous vous tournez vers la télévision à ce moment-là. Vous faites une chronique musicale dans le mini-journal de Patrice Drevet. Et puis, à votre grande émission, Mégahertz. C'était formidable. On venait de remplacer Guy Lux pour les vieux qui regardent l'émission. Le samedi après-midi, on avait tout l'après-midi. Ouais. Ça démarrait par Fame, ouais. La série comédie musicale. Une émission sur le voyage. Frédéric Mitterrand, Étoile Étoile. Et moi, Mégahertz. Ouais. Bonheur total. Et je rêverais de faire aujourd'hui, à la télévision, Les Enfants de Mégahertz, ouais. Pour être le pont entre la musique des années 80 et la musique d'aujourd'hui, qui a malheureusement très peu de visibilité à la télévision française, ce qui est absolument regrettable. Alors en 86, vous allez sur une chaîne qui se crée, qui s'appelle TV6. Oui. Vous faites une émission qui s'appelle Tam Tam. Oui, les samedis après-midi en direct. Voilà. Oui. Et la chaîne s'arrête, elle est remplacée par M6. Oui. Et vous faites partie de ceux qui n'avaient pas voulu trahir TV6 et aller sur M6. Moi j'aimais beaucoup, je respectais beaucoup Maurice Lévy, président de Publicis, ouais. Qui avait permis à cette chaîne d'exister. Delarue est parti le lendemain. Moi non. Je préfère être pas bossé. Non, mais j'ai une vraie éthique de vie. Oui, oui. Et tant pis. Oui. Je préfère sucer des cailloux que... Je suis pas un collabo. Moi, je couche, mais pour le plaisir. Alors, vous avez été quand même, à l'époque, extrêmement célèbre. Oh, on n'est jamais célèbre. Non, je m'en fous de ça. Quelles ont été les réactions de votre entourage quand vous avez fait Mégahertz, que vous êtes devenu comme ça extrêmement visible dans les médias? Ça a été un bonheur pour mon père, qui était quelqu'un avec qui j'ai jamais communiqué. Mmh. Parce qu'au moins, il avait quelque chose à dire à ses potes de jeu de boule. Et il était flatté que ce soit son fils dans le progrès lyonnais, stéphanois. Et c'est la première fois que je dis, tiens, mon père fait un peu attention à moi. Parce que j'ai été un peu le chaton noir de la famille. Ah, ouais. Oui, l'électron libre. Ouais. Et votre maman? C'est une maman. Ouais. Vous avez gagné de l'argent à l'époque? J'ai jamais gagné d'argent. Non. Le peu d'argent que je gagnais, je l'ai distribué autour de moi. Je n'habite nulle part. Je n'ai pas de maison. J'ai rien. Vous n'avez pas mis d'argent de côté à l'époque où ça marchait, quoi. Non, j'ai pas d'objet encombrant. J'ai rien. Et l'amour, ça vous a apporté des conquêtes amoureuses? En ce moment, je suis très amoureux. Et en ce moment. À l'époque. Je l'ai été souvent. Ouais. Vous êtes beaucoup laissé guider par votre cœur. Mon cœur et mon cul, oui. C'était quoi le meilleur moment à l'époque? C'est d'être présent avec des petites équipes réduites, parce que je savais déjà fonctionner à l'économie, ouais. Et pouvoir filmer Susie and the Banshees à Amsterdam, ouais. Filmer DAF à Berlin, avoir une équipe au Japon qui filmait le rock japonais, c'était inattendu. Et c'est d'être présent sur tout le terrain, et d'avoir des petits espions qui soient là, et puis ramener le contenu. Ouais. Le pire moment à l'époque, c'était quoi? Les pires moments, j'en ai vécu plusieurs. C'est que je me suis toujours fait virer. Ah ouais. Oui, c'est vrai. Je me suis toujours fait virer. Et ce n'est pas nécessairement moi qui me suis fait virer. C'est qu'on a viré le médium, le média sur lequel j'étais. Ouais. Et c'était pour des raisons politiques. Quand vous avez quitté La Lumière, vous avez créé la deuxième chaîne marocaine, qui s'appelle 2M. Oui. Ensuite, vous étiez directeur des programmes d'Arte. Et aujourd'hui? Votre équipe m'a suivi. Ouais. Elle m'a suivi jusqu'à un rendez-vous à Radio Nova. Ouais. On verra ce qui se passe. Inter, ça marche pas. Europe 1, ça marche pas. RTL, ça marche pas. S'ils veulent pas de moi, c'est leur problème. Enfin, je veux dire, c'est pas grave. Ouais. Le clan Manval fonctionne. J'ai des milliers de fans sur Internet, sur Facebook. Je leur fais une programmation musicale et cinéma tous les jours. C'est interactif, ça fonctionne. Je bosse, même en étant chez moi avec l'ordinateur. Mmh. Et il y a une interactivité. Je sais qu'il y a un public. La preuve, je porte ses couleurs. C'est vraiment j'ai un clan maintenant et c'est eux qui me donnent la pêche. Moi, c'est les téléspectateurs, c'est les auditeurs, c'est le public qui me donne la pêche. Les patrons de médias, ils sont toujours en retard. Vous êtes nostalgique de cette époque aujourd'hui? Non, pas du tout. Pas du tout? Non, pas du tout. Vous êtes rancunier? Pas du tout. Si c'était à refaire, Alain, qu'est-ce que vous ne referiez pas pareil? Je referais la même chose. Le jour où vous serez mort, vous voulez qu'on écrive quoi sur votre tombe? Oh, j'ai un tatouage ici, en berbère. Souviens-toi du futur. J'étais très heureux de rallumer la lumière sur vous, Alain. Merci. Au revoir. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditude, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.